Xerfi Global a récemment publié une étude sur les fournisseurs européens de gaz et d'électricité qui ont été durement touchés ces dernières années par des changements majeurs dans l'industrie. Plusieurs facteurs ont transformé le paysage énergétique européen. Parmi les plus importants, la volonté politique de promouvoir les énergies renouvelables en Europe qui a induit un changement considérable dans le mix énergétique du continent. En 2015, plus d'un tiers de l'électricité produite dans l'Union européenne provenait de sources renouvelables, soit plus que le nucléaire qui en générait 25%, le charbon qui en générait 22% et le gaz qui en générait 10%. La grande part du renouvelable est le résultat d'un développement considérable de la filière ces derniers temps. En effet, entre 2000 et 2014, les filières éoliennes, solaires, hydroélectriques, mais aussi, il est vrai, celles du gaz, ont connu un accroissement important de leur capacité nette de production, tandis que le nucléaire, le charbon et le pétrole ont connu une baisse de leur capacité totale. Néanmoins, alors que les capacités totales de production ont augmenté, la consommation électrique en Europe a baissé en moyenne de 1,2% par an au cours des 5 dernières années, une tendance qui devrait se poursuivre à moyen terme en raison d'une croissance économique atone, mais aussi d'une efficacité énergétique croissante et d'un délaissement des industries énergivores. Ainsi, la croissance des capacités de production électrique liées au développement des énergies renouvelables, ainsi que la baisse de la demande énergétique, ont conduit à un surplus énergétique et par conséquent à une chute des prix au comptant de l'électricité, tirant les ventes et les bénéfices des fournisseurs vers le bas. Pour les fournisseurs utilisant peu de ressources renouvelables, ce problème est exacerbé par le fait que le développement des énergies renouvelables fait pression sur la rentabilité et l'utilisation des centrales conventionnelles, puisque les énergies renouvelables sont non seulement subventionnées, mais bénéficient souvent également d'un accès prioritaire au réseau. Le marché énergétique mondial a en outre été bouleversé par un excès de charbon bon marché en provenance des États-Unis, le pays s'étant détourné de cette ressource dans le contexte de la révolution du gaz de schiste. Alors que l'Asie a longtemps absorbé la majeure partie de ses exportations, le ralentissement économique de la région a conduit à rediriger les exportations vers l'Europe. En plus des faibles prix du charbon, les faibles prix des quotas d'émissions de CO2 dus à un excès de quotas dans le mécanisme des droits d'émission de l'UE ont modifié la rentabilité relative entre les centrales à charbon et celles à gaz. Ainsi, de nombreuses grandes centrales de gaz naturel ne sont plus compétitives et sont donc fermées ou mises en veille. Enfin, de nouvelles exigences légales en matière de dissociation de certaines activités ont réduit les synergies réalisées par le passé grâce à une forte intégration verticale, plombant davantage encore les bénéfices. Compte tenu de ces nombreux facteurs, la rentabilité des principaux acteurs de l'industrie du gaz et de l'électricité a du plomb dans l'aile, les bénéfices opérationnels ayant baissé de plus de 12% par an en moyenne entre 2010 et 2014, pour atteindre une marge moyenne de près de 6% en 2014. L'évolution du marché oblige les opérateurs à s'ajuster à cette baisse de la rentabilité dans les principaux marchés européens. Les compagnies de gaz et d'électricité se concentrent ainsi sur la maîtrise des coûts et la discipline financière, freinant leurs investissements, voire désinvestissant sur les activités génératrices de pertes ou peu rentables, afin de recentrer leur portefeuille d'activités. En même temps, elles suivent la transition vers les énergies renouvelables et cherchent à se développer hors Europe. Enfin, dans leur recherche d'une meilleure rentabilité, les fournisseurs de gaz et d'électricité élargissent leur gamme de produits et services pour tirer parti de nouvelles tendances du marché, comme les réseaux électriques intelligents, les smart grids, ou une présence plus forte dans le marché des consommateurs finaux afin de répondre à leurs besoins de mobilité ou de prosommateurs.